m'appelle Giovanni Wessou à l'état civil. Giovanni, nom d'artiste, G-Y-O-V-A-2-N-I. Je suis natif d'une région béninoise qui s'appelle Grand Popo. Mon père et ma mère aussi sont béninois. Donc je suis le fils de Monsieur Georges Wessou et de Madame Marie-Louise Bénonville. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. J'ai une soif de connaissances et d'expérimentation insatiable. Je suis quelqu'un de très ouvert. Voilà les quelques mots qui me viennent à l'esprit. Il y a une personne qui m'a vraiment influencé sur cette route. C'est Corneille, dont j'ai longtemps écouté les albums. Puisque je suis encore jeune, c'est ma fiancée actuelle. Je suis un cuisinier hors pair. Je vous inviterai un de ces quatre. Alors, je suis assez éclectique, donc niveau musique, j'écoute assez. Je suis assez ouvert. Sauf que j'aime pas le vacarme, c'est quelque chose qui m'horrifie au plus haut point. Il y a une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'injustice. Devant des actes injustes, j'ai le sang qui bouillonne, quoi. Ça me glace le sang, mais à une vitesse. Mon meilleur souvenir de scène, c'est un concert que j'ai fait à la Bourse du Travail de Lyon. Il y avait une chorale gospel qui était backée par un orchestre symphonique. Et j'ai eu la chance de chanter quelques morceaux en soliste. C'est pour moi mon meilleur souvenir musical. Incroyable, quelque chose que j'aimerais énormément revivre. Mon plus mauvais souvenir musical, c'est lors d'une scène qui s'est déroulée à Boston pour le carnaval caribéen. Il y avait une foule de gens incroyables. J'avais jamais vu autant de personnes pour un concert. On devait prester et tout de suite avant, quelqu'un avait tiré avec une arme dans la foule. Je pense qu'il y avait une bagarre. Et tout de suite, moi, j'étais en haut, sur la scène, donc j'ai vu la foule s'écarter, aller dans tous les sens, des gens couraient, mais voir des milliers de personnes courir en une fois, c'est horrible. La chose la plus folle que j'ai fait pour quelqu'un, c'est écrire une chanson et mettre le nom de la personne dans une chanson. Elle se reconnaîtra. Il y a deux personnes qui me viennent en tête, ce serait Gregory Porter et Anthony Hamilton. Mon kiff musical du moment, c'est Fireboy DML. J'adore son album, c'est une vraie tuerie, je vous le conseille. Et le morceau que j'écoute le plus en ce moment, c'est Amen de Chike, qui est un pur délice aussi, en repeat. Alors ces deux trucs, c'est total repeat. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore atteint ce niveau de célébrité où je ne pourrais même plus marcher dans la rue. Je ne suis pas encore là. Tout ce que je peux dire, c'est que la télé, ça amène autant de choses positives que de choses négatives. Moi, je peux juste dire, par exemple, j'ai un nombre de demandes d'amis sur les réseaux sociaux qui est incroyable. Incroyable. Beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, mais qui m'écrivent. Ça fait énormément de plaisir de voir qu'on est suivi et qu'il y a beaucoup de gens pour qui on peut être, je sais pas, un modèle ou des gens qui nous laissent entrer dans leur vie au quotidien. C'est quelque chose de fondamentalement
Bienveillant. Pour le moment, je n'ai jamais eu de malencontreuses épreuves, de mauvaises épreuves, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Alors, on va encore me donner l'image du garçon sage. Alors, la pire chose que j'ai faite avec des amis, d'ailleurs avec EPS, mon groupe dépôt de l'époque, c'était que j'ai séché les cours de vacances. Mais quand je dis les cours de vacances, genre une journée de cours de vacances. Je pense même que c'était juste un après-midi, quelque chose comme ça. Et c'est la chose la pire que j'ai faite. Je sais, je ne suis pas. Faut pas croire, je suis pas un enfant de cœur.